Je voulais vous demander, on voit de très beaux passages et de très beaux moments dans ce film, mais est-ce que, faute de budget ou de temps, il y a des passages, des paysages ou des scènes que vous n'avez pas pu inclure? Well, congratulations. And, I mean, the gentleman was wondering, obviously, in the film, they're extremely beautiful moments. And he was wondering if at times, because of budget reason, you might have cut off some landscaping or cut off some scenes. No, instead of cutting things out, what we try to do is, like I say, work smarter, not harder. We try to come up with new ways of doing things. So, for example, the Scottish countryside, the highlands, and the landscape are very rich with vegetation, moss, and lichen, and forest. This is extremely difficult for the computer to do. The computer likes straight lines and clean surfaces. So with traditional computer animation methods, this would have taken 20 years, I don't know. So instead, we built a software called WonderMoss and created a way to populate the set with all the vegetation Mark would want and to be able to do it sort of automatically. So we spent a lot of time creating technology, and then we can use it very fast. And that way we don't have to, you know, cut budgets or make creative compromises. And matte painting. Matte painting, yes. Oui, oui. Alors voilà. Matte painting, je t'adore. Alors, alors en fait, non, on n'a pas dû finalement faire de coupes budgétaires, vous pensez comme ça. On s'est dit, ne travaillons pas plus, mais plus intelligemment. Alors, par exemple, lorsque nous avons évidemment la nature écossaise, quand vous êtes dans les Highlands, eh bien, c'est impressionnant, la végétation, la mousse, les forêts, enfin, tout est incroyable. Et donc, on s'est dit, voilà, vous savez que tout ce qui est numérique par ordinateur, eh bien, ça aime les lignes droites, les choses qui sont parfaites, etc. Donc, pas du tout ce qui était évidemment le paysage écossais. Donc, nous nous sommes dit, voilà, nous allons non pas faire avec les anciens logiciels, mais nous avons créé notre propre logiciel qui s'appelle WonderMoss. Et là, de façon automatique, de façon numérique sur ordinateur, eh bien, nous avons, grâce à ce logiciel, pu, en quelque sorte, mettre de la végétation, mettre des éléments très riches de paysage partout. Donc, au lieu... Alors, c'est vrai que nous avons eu un long processus, en quelque sorte, technique pour créer ces nouveaux outils, mais à partir du moment où ces processus et ces logiciels existaient, eh bien, ils nous ont permis d'aller très très vite. Matte painting, je t'adore, a rajouté Catherine. Also, Mark made smart decisions about how to use his effects budget. So if the story really needed a moment to be, you know, very important, he would focus on the story moment, and if the background then might be darkened, then he would not, you know, you'd not do as much work in the background. But we would discuss there was a conversation about how much rock and debris and rubble is kicked up in Mordu's lair when Merida falls, how much dust is there. All of these things are difficult and expensive to do. So Mark would make creative choices working with the effects team about, I need debris here and mist here, but I don't need rain in this other scene because it's not important. So just trade-offs like that that do not hurt the creative of the movie, but instead are just smart choices for efficient filmmaking. Alors, alors voilà, et puis aussi c'est, voilà, clever. Alors évidemment, c'est vrai que Marc a aussi pris des décisions très, très intelligentes par rapport à la façon de gérer le budget justement des effets spéciaux, parce que à certains moments, lorsque l'histoire, la scène était importante du point de vue narratif, et qu'au contraire, c'était pas très important ce qu'on voyait dans le fond, eh bien là, on se concentrait justement sur l'histoire. Ou par exemple, quand on arrive effectivement dans comme ça, la grotte de Mordu, c'est bien, alors on se demandait, voilà, alors combien est-ce qu'il faut mettre de rochers, combien est-ce qu'il faut, au contraire, ne pas créer trop de choses, parce que c'était très cher à faire si on voulait aller vraiment dans le détail lorsque Mérida arrive. Donc, en fait, c'était des choix créatifs, des choix intelligents. Par exemple, à certains moments, Marc disait, bon, là, effectivement, j'ai besoin de textures rocheuses, j'ai besoin de débris, j'ai besoin de choses, j'ai besoin d'une vapeur, d'un, voilà. Et, mais là, par exemple, j'ai pas besoin de mettre de la pluie, par exemple. Donc, tout ça, c'était décision à la fois artistique, mais intelligente. Hi, first of all, congratulations on the movie. Goody art, color, photography, production. Really animation, the movements, everything was amazing, perfect. Well, my question is, what makes for you the movie a Pixar movie? What scene or moment makes a Pixar movie? All right, so, voilà, le bravo évidemment pour le film, c'était extraordinaire, mais qu'est-ce qui, au sein de ce film, finalement serait une scène ou un moment qui voudrait dire que c'est la patte Pixar? That's a tough one, huh?
Pizza Planet truck, on suggère, c'est vrai, it's in there. The Pizza Planet truck's in the movie, it's a Pixar. Vous savez, il y a toujours le fameux camion. I don't think there's any one movie moment that makes it a Pixar movie. I think it's the whole experience that you walk away with makes it a Pixar movie. You know, that you're on the edge of your seat, that you've laughed, that you cried, that you feel something's for these characters. I think that's what makes it a Pixar movie. And you know, the unique thing about this movie is that it has a little darker tone. You know, that Pixar is constantly pushing what animation is. It's not just for kids, you know. America's catching up. You guys, France knows it, Japan knows it, you know, the rest of the world kind of knows it already, but in America, it's still considered a kid genre, and that's just crap, you know. It's for everybody, you know. It's a, what do you call it? It's a medium. Not a genre, you know? And so we should be able to tell whatever story we want in animation. And that's what makes it a Pixar film, is that we're constantly pushing the bounds of animation. Alors voilà, il n'y a pas, pour ainsi dire, vraiment un moment ou une scène, c'est le film tout entier, et plus particulièrement l'expérience que le public, que les spectateurs vit en voyant le film, c'est-à-dire l'émotion, pleurer, rire, l'émotion face à l'histoire, face au conte. En fait, même Marc rajoute que, si vous l'avez remarqué, j'en suis sûre, il y a ici un ton un peu plus sombre. Et c'est là où Pixar intervient, car Pixar, sans arrêt, repousse les frontières, en quelque sorte, du genre animation, si on peut dire. C'est-à-dire que Pixar a été le premier vraiment à dire, voilà, l'animation, ce n'est pas que et seulement pour les enfants. En France, vous le savez depuis longtemps, au Japon et dans bien d'autres pays évidemment, mais l'Amérique est un peu à la traîne et considère ça encore comme un genre pour enfants, ce qui évidemment, c'est crap, c'est pas vrai, c'est de la merde. Voilà, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas un genre, c'est un média, donc toute histoire peut être dite à travers l'animation. Alors, on a une dernière question. So it better be a good one, huh? Okay? Allez-y. pressure. We're not leaving until we get a great question. Oh, just kidding. Une de mes actrices favorites, c'est Kelly McDonald. Et je trouve qu'elle a fait un travail extraordinaire de voix dans ce film. Ma question est, est-ce qu'il y a eu un moment que vous avez hésité d'embaucher quelqu'un avec un accent écossais, compte tenu que les films allaient être diffusés dans le marché américain? Et comment un personnage avec un accent écossais, ça allait être perçu par le public américain? So this is a question about Kelly McDonald. Thank you for asking about her. So she did obviously a terrific job. I mean, did you hesitate to sort of give her the part, or was it an issue anyway for you? The American audience would perceive a Scottish accent, how it would be sort of lived experience. No, I think when we got Kelly, it was fantastic, because she really is married. She has this quirkiness and this fieriness and this energy, and she really got the teen angst. She says she fell into teenager a little too easily. But she really brought an allure and an appeal to Merida that really just kind of, as soon as we got the voice, she was complete, you know, this character. As far as the Scottish accent goes, it's set in Scotland. We have to be authentic. I mean, and these actors are great. I mean, the Scottish accent can be heavy, so we just dial it back again for understandability. But, you know, I think just in the acting and kind of what they're saying, that you get the gist. I mean, I watch several Japanese films that aren't dubbed. I get what's going on. I don't need to rely on the language. A dialogue is just the icing on the cake anyway. You should be getting what the story's about and how these characters are feeling, regardless of whether you understand. I watch French films, too. I know what's going on. I miss the subtleties, the fineries, but you get what's happening. So we weren't ever worried about it. Alors voilà, donc en fait, évidemment, Kelly McDonald, effectivement, actrice géniale, et tout de suite, ça a été vraiment notre Mérida. Et elle a d'ailleurs cette énergie, ce côté comme ça, un peu fou, de
de Mérida, et elle nous a dit en rigolant que oui, c'est vrai qu'elle s'était sentie très, très adolescente grâce à ce doublage. Et elle a apporté au personnage de Mérida une sorte d'allure incroyable, comme ça, grâce à sa voix. Et dès finalement qu'on a trouvé sa voix, dès que Kelly a donné sa voix à Mérida, eh bien, Mérida a vraiment existé. Et quant à l'accent écossais, ben, attendez, on est en Écosse, il faut bien être authentique, quand même être vrai. Alors c'est vrai que l'accent écossais peut être un peu lourd, mais vous savez, je crois que les accents, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, il m'arrive de regarder des films japonais ou des films français, et croyez-moi, je ne comprends pas toujours ni le langage, ni les subtilités, mais ce qu'on ressent, c'est de toute façon l'essentiel, c'est-à-dire l'émotion. Et j'espère que c'est ce que vous avez ressenti avec Brave Rebelle. Voilà, merci beaucoup à vous.